I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale aujourd'hui. Je suis Jonathan Drapeau, je suis avec mon collègue de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostrada Ben. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, et puis une émission spéciale sur la musique aujourd'hui. Yes, sur la musique, mon ami, nul autre que Monsieur Bruce Springsteen. Grand rocker des années fin 70. Ouais, 50 ans de carrière passée. Yes, qui est toujours vivant, si je ne m'abuse. Oh, il est toujours vivant. Et puis, comme toujours Jerry. Vivant. C'est ça, alors, est-ce que tu veux commencer avec un petit brin de contenu, mon Ben? Un petit brin de contenu, ben, on va commencer par sa naissance. Ben oui, okay, il est né, il est chanceux. Ben oui, il est né, sinon il serait mort. C'est ça. Il serait encore dans un fœtus. C'est ça. Ah, mais sérieux, Bruce Frederick Joseph Springsteen, de son vrai nom, a vu le jour le 23 septembre 1949 à Long Branch, New Jersey. Il est un chanteur, auteur, compositeur et guitariste américain. Yes, puis je vais parler un petit peu de son début de carrière. Dans le fond, en 1964, Bruce Springsteen a vu l'œuvre des Beatles au Ed Sullivan Show. Et puis, impressionné par ce groupe, il a acheté sa première guitare pour le coût de 18,95 $ dans un magasin de musique Western Auto Appliance Store. Peu après, il a commencé à faire des concerts avec un groupe appelé The Rogue dans des endroits locaux tels que le Elks Lodge and Freehold. Freehold, oui. À la fin de l'année 1964, sa mère a fait un emprunt pour lui acheter une guitare Kent à 60 $. Springsteen a commémoré plus tard cet acte dans sa chanson de Wish. Et puis en 1965, il se rend chez Tex et Marion Vineyard qui prennent sur leur aile certains jeunes groupes de la ville. Ils ont aidé Bruce à devenir le guitariste principal et par la suite l'un des chanteurs principaux des Castilles. Dans le fond, c'était le groupe local. C'est pas ça, t'allais dire les classiques. Tu me fais peur, sérieux, tu me fais peur. Les Castilles ont enregistré deux chansons originaux dans un studio d'enregistrement public du Brick Township et ont joué à plusieurs endroits. À la fin de la décennie 60, Springsteen se produit peu de temps dans un power trio connu sous le nom de Hurt, jouant dans des clubs du New Jersey avec un spectacle majeur à l'hôtel Diplomat de New York, mesdames et messieurs. Ensuite, le 1969, jusqu'au début de 1971, Springsteen a joué dans le groupe Steel Mile. Au départ, dans le fond, le band se nommait Child, qui comprenait Danny Federici, Vinnie Lopez, Vinnie Roslin et plus tard, Steve Van Zandt et Robin Thompson. Pendant ce temps, il se produit très souvent dans des lieux sur la côte du New Jersey, à Richmond en Virginie, Nashville, Tennessee, et un ensemble de concerts en Californie collecte rapidement un véritable culte. Puis dans les deux années qui ont suivi, alors que Bruce Springsteen cherchait à façonner son style musical et ses paroles uniques et authentiques, il a joué avec Dr. Zoom in The Sonic Boom. Début à mi-1971, le Sundance Blues Band de mi-71 aussi, et la bande Bruce Springsteen de mi-71 à mi-72. En octobre 72, Springsteen a formé un nouveau groupe à l'occasion de l'enregistrement de son premier album, Greetings from Asbury Park, New Jersey. Le groupe est finalement devenu connu sous le nom de E Street Band. Ouais. Bien que le nom n'ait été utilisé qu'en septembre 1974, Springsteen a eu le surnom de The Boss à partir de cette période. C'est pas Sacha Banks.
Ensuite de ça, le 13 août 1975, Springsteen et le E Street Band ont commencé un stand de 5 nuits et 10 spectacles au club The Bottom Line de New York. Cela a attiré bien des gens et surtout l'attention des médias et a été diffusé en direct sur WNU-FM. C'est une fédération de lutte. Ça. L'album Born to Run est sorti le 25 août 1975. Il est considéré comme l'album qui a, en bon québécois, mis Bruce Springsteen sur la map. Ensuite de ça, en octobre 1975, Springsteen a apparu sur les couvertures des magazines Newsweek et du Times. Dans la même semaine, la vague de publicité est devenue si grande qu'il s'est finalement rebellé contre elle lors de sa première expérience à l'étranger, détruisant des affiches promotionnelles avant une apparition au concert à Londres. Détruire des affiches promotionnelles, on a déjà vu ça quelque part. Oui, ça fait penser à quelque chose. C'est pas loin d'ici, à part de ça. Yes! Une bataille juridique contre l'ancien gérant Mike Apple, le garde Springsteen, hors du studio pendant environ un an. Période durant laquelle il a gardé le E Street Band ensemble grâce à plusieurs tournées aux USA. Parvenant à une entente avec Mike Apple en 1977, Springsteen retournait au studio et a produit l'album qui s'appelle Darkness on the Edge of Town en 1978. Musicalement, cet album marque une vague de changement dans la carrière artistique de Bruce Springsteen. En effet, les chansons sont plus légères et plus soigneusement écrites et ont commencé à refléter la conscience intellectuelle et politique croissante du chanteur. La tournée de Cross Country 78 pour faire promotion de l'album va devenir légendaire pour l'intensité et la durée de ses spectacles, mesdames et messieurs. À la fin de 1970, Springsteen s'était taillé une réputation dans le monde de la pop en tant qu'auteur-compositeur dont le matériel pouvait fournir des tubes à divers groupes. Oui, en voici quelques exemples. Hurt Band Manfred Mann avait réalisé un US numéro 1 hit-pop avec une version fortement réarrangée de Greetings, Blinded by the Light au début de 77. Patti Smith a atteint numéro 13 avec son interprétation d'une chanson inédite de Springsteen, Because the Night, avec paroles révisées par Smith en 78, etc. En 79, Springsteen et le E Street Band, qu'on parlait juste avant, ont rejoint le collectif Music United for Safe Energy anti-nucléaire Power au Madison Square Garden durant deux soirs. En 1980, Springsteen a poursuivi sa concentration sur la vie de la classe ouvrière avec le double album de 20 chansons, The River, et a finalement produit son premier single à succès dans le top 10 en tant qu'interprète, Hungry Heart. L'album a eu du succès dans les ventes, devenant son premier numéro 1 sur le graphique Billboard Pop Album. C'est ça. Ensuite de ça, en 91, Springsteen est souvent connu pour beaucoup de gens qui le connaissent. En 84, excuse-moi. Est souvent connu par beaucoup de gens qui le connaissent plus ou moins pour son album Born in the USA, qu'on va parler tantôt, et qui est sorti en 1984 et s'est vendu en 15 millions d'exemplaires, quand même, à travers les États-Unis, 30 millions dans le monde entier, est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps avec 7 singles atteints. Qui ont atteint le top 10 dans le fond. Bon, la chanson au titre, faut pas se le cacher, là. C'est une dénonciation sur le traitement des anciens combattants du Vietnam, dont certains étaient des connaissances ou des amis de Springsteen. La chanson a un gros impact politique, car Springsteen défendait les droits de l'homme de la classe ouvrière normale. La chanson a été largement interprétée à tort comme de nationalisme agressif et exclusif, puis en rapport avec la campagne présidentielle américaine de 1980. Entre Ronald Reagan et Walter Mondal est devenu le sujet d'un folklore considérable. Dancing in the Dark était le plus grand des 7 singles à succès de l'album Born in the USA, culminant au deuxième rang du palmarès des singles Billboard. La période Born in the USA représentait vraiment la hauteur de la visibilité de Springsteen à sa juste valeur dans la culture populaire et le plus large public qu'il atteindra jamais. Du 15 juin au 10 août 1985, ses 7 premiers albums figuraient sur le UK Albums Chart. Il avait cartographié l'intégralité de son catalogue en même temps, une première à l'époque. L'album live de 1975 à 85, un coffret de 5 CD, également sur 3 cassettes ou 3 CD,
est sorti vers la fin de 1986 et est devenu le premier coffret musical à faire ses débuts à la première place des charts aux États-Unis. Bruce Springsteen a sorti l'album Tunnel of Love, beaucoup plus calme et contemplatif que le précédent en 1987. L'album est une réflexion mûre sur les nombreux visages de l'amour trouvés, perdus et gaspillés. Le 19 juillet 1988, Springsteen a chanté devant 300 000 personnes dans un concert qui a eu lieu en Allemagne de l'Est. C'est malade, ça, pareil. C'est comme trois fois les plaines d'Abraham. Ouais, ça doit être. C'est fou. Ouais, c'est de la torche. Plus tard, en 1988, Springsteen a fait la une de la revue mondiale Human Rights Now, tournée pour Amnesty International. Ensuite de ça, en 1992, Springsteen a sorti deux albums nommés Human Touch and Lucky Town. En 1994, Springsteen a remporté un Oscar pour sa chanson intitulée Streets of Philadelphia, qui était la trame sonore du film Philadelphia, mettant en vedette Tom Hanks et Denzel Washington. Oh, ils se promènent dans la ville et ils chantent. C'est bon, c'est très bon. Même que sur le DVD, le vidéoclip est disponible. Yes. En 1995, après avoir reformé brièvement le E Street Band pour quelques nouvelles chansons enregistrées pour son premier album Greatest Hits, une session d'enregistrement qui a été relatée dans le documentaire Blood Brothers et aussi un spectacle à Tampa dans la ville de New York. Tramps dans la ville de New York, pardon. Il a sorti son deuxième album Folk, The Ghost of Tom Joad. L'album a eu moins de succès que le similaire album Nebraska en raison de la mélodie minimale, du chant nasillard et de la nature politique de la plupart de ses chansons. La grande tournée mondiale et acoustique de Petite Salle Ghost of Tom Joad Tour, qui a suivi, à présenter avec succès un grand nombre de ses anciennes chansons sous une forme acoustique radicalement rebricolée. Une fois la tournée terminée, Bruce Springsteen a quitté la Californie pour faire un retour aux sources, c'est-à-dire au New Jersey, pour sa famille. En 1998, il a sorti le coffret tentaculaire de quatre disques Outtakes Tracks. Plus tard, il finira par reconnaître que la décennie 90 a été pour lui une période de, un petit peu plus plate. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, Springsteen a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 1999 par Bono, le chanteur de U2. Puis Springsteen a, quant à lui, a introduit U2 à ce même Hall of Fame, mais en 2005. Ouais, du donnant, mais 6 ans plus tard. C'est ça. Après ça, en 1999, il y a eu une réunion entre Bruce Springsteen et le E Street Band. Qu'est-ce que tu plates à dire, c'est sérieux? je pense toujours à Backstreet Boys, je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait une tournée par rapport à cette merveilleuse réunion qui a duré plus d'un an. Les résultats positifs de cette tournée comprennent le record de 15 spectacles sold out au Continental Airlines Arena à East Rutherford dans le New Jersey et un show à guichet fermé de 10 nuits au Madison Square Garden de New York, mesdames et messieurs. Finalement, lui, il a passé 3 heures de sa carrière dans le New Jersey puis à New York. Ouais, ben, c'est ça pareil. Ouais, hein. Ouais, vraiment. En 2002, Springsteen a sorti son premier album en studio avec le groupe complet en 18 ans, intitulé The Rising, produit par Brendan O'Brien. L'album, qui est en général une réflexion sur les attentats du 11 septembre, a été un succès critique et populaire. La chanson a été diffusée dans plusieurs formats radio et le disque est devenu l'album de nouveau matériel le plus vendu de Springsteen depuis 15 ans. Lancé par une apparition matinale à Hasbury Park dans l'émission de Today Show, la tournée de Rising Tour a commencé. Le groupe a parcouru une série d'arénas d'une seule nuit aux États-Unis et en Europe. Springsteen a joué pendant 10 soirées au Giant Stadium de New Jersey. Et puis, lors du 45e... Ça, c'est parce que les Giants, ils jouent au New Jersey. Ils disent les Giants de New York, mais ils jouent au New Jersey, dans le fond. Okay, okay. C'est juste pour ça. Lors du 45e gala annuel des Grammy Awards, dans le fond, The Rising a remporté le Grammy du meilleur album rock et a été nominé pour le Grammy du meilleur album de l'année. Également, The Rising a remporté le Grammy de la meilleure chanson rock et de la meilleure performance vocale rock masculine. Il a également été nominé pour le Grammy Award de la chanson de l'année. Au Grammy Awards 2003, Springsteen a interprété la chanson London Calling du groupe punk rock The Clash avec Elvis Costello, Dave Grohl et The Foo Fighters. Ouais, c'est ça. Et un membre du E Street Band, Steven Van Zandt. Et le bassiste de No Doubt, Tony Cannell, pour rendre hommage à Joe Strummer, qui est décédé subitement en décembre 2002 d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. En 2004, c'est dans le fond, il s'est pris de la poudre. C'était de la poudre. Des fois, c'est génétique. Hein? En 2004, Springsteen et le E Street Band ont participé à la tournée nommée Vote for Change.
avec John Mellencamp, John Fogerty, les Dixie Chicks, Pearl Jam, Ram, Bry Hyers, le Dave Matthews Band, Jax et Jackson Browns, et j'en passe. L'album studio Devils and Dust est sorti le 26 avril 2005 et a été enregistré sans la collaboration du E Street Band. C'est un album qui a été discret. La musique est principalement acoustique. L'album est dans le même genre que l'album Nebraska puis The Ghost of Tom Joad. Avril 2006, Bruce Springsteen sort We Shall Overcome, The Seeger Sessions, un projet de musique roots américaine centré autour de gros traitements sonores, folk de 15 chansons popularisées avec l'activiste musical radical du musicien folk Peter Seeger. Une tournée a débuté le même mois avec un nombre de 18 musiciens surnommés le Seeger Session Band et plus tard abrégé en Sessions Band. La tournée a connu une énorme popularité en Europe, se vendant partout et recevant d'excellentes critiques. Cependant, les journaux ont rapporté que certains spectacles aux États-Unis n'avaient pas eu une grosse assistance. L'album qui suit, intitulé Magic, a vu le jour le 2 octobre 2007 et fut enregistré avec la E Street Band. Cet album contient un morceau caché intitulé Terry's Song en hommage à l'assistant de longue date de Springsteen, Terry McGovern, qui est décédé dans son sommeil le 30 juillet 2007 à l'âge de 67 ans. Ensuite de ça, il y a eu une grosse période de transition, dans le fond, de 2008 à 2011. Springsteen a soutenu la campagne présidentielle du démocrate et futur président américain Barack Obama en 2008. Ben oui, ben oui. Il a donné des performances acoustiques en solo à l'appui de la campagne d'Obama durant une bonne partie de l'année 2008, comme je viens de dire, culminant avec un rassemblement le 2 novembre auquel a été joué pour la première fois la chanson « Working on a Dream ». Il a chanté en duo avec son épouse Patti Cialfa et non Patti Galant. OK. Suite à la victoire de Barack Obama le 4 novembre et non le... 4 novembre! Oui, la chanson de Springsteen... The Rising était la première chanson jouée par haut-parleur après le speech victorieux de Barack Obama dans le Grand Park de Chicago, parce que c'est ça, lui, il était à Chicago. Avant de s'en aller à Washington, il était à Chicago. Ben, moi, tu peux continuer. Ensuite de ça, le 11 janvier 2009, Springsteen a gagné le Golden Globe Award avec la meilleure chanson pour The Wrestler, qui mettait en vedette notre ami Mickey Rourke, qui a d'ailleurs gagné un Oscar, je pense, suite à cet effet. Ouais. Le film a gagné des prix aussi. C'est ça. Springsteen et le E Street Band ont joué au spectacle de la mi-temps du match du Super Bowl 43, impliquant les Steelers de Pittsburgh et les Cardinals de l'Arizona, le 1er février 2009 au Raymond James Stadium de Tampa Bay. Springsteen a donné... Excusez-moi. a donné une rare conférence de presse à laquelle il a promis aux fans une fête de 12 minutes. D'après certaines sources, c'était la première conférence de presse de l'artiste depuis environ 25 ans. Son spectacle de 12 minutes, 45 secondes avec le E Street Band et les Miami Horns comprenait des chansons abrégées de 10th Avenue Freeze Out, Born to Run, Working on a Dream et Glory Days. Dans le fond, Springsteen, à la fin janvier 2009, il a sorti un album nommé Working on a Dream et qui a été dédié, dans le fond, à la mémoire de Danny Federsey. La tournée de soutien Working on a Dream a duré d'avril 2009 à novembre 2009. Et ils ont sorti un DVD aussi sur Working on a Dream intitulé London Calling Live in Hyde Park et sorti aussi en 2010. Oui, puis il faut se rappeler aussi que Springsteen a reçu des récompenses du Centre Kennedy le 6 décembre 2009. Le président Obama a prononcé un discours dans lequel il avait affirmé que Springsteen avait bien introduit la vie d'Américain ordinaire dans sa vaste palette de chansons. Puis Obama a ajouté que les concerts de Springsteen n'étaient pas seulement des concerts de rock'n'roll, mais des communions, dans le fond. Oui, exactement. Bruce Springsteen a été nommé l'un des 8 meilleurs artistes de la décennie 2000, par le magazine Rolling Stones, magazine avec le classement des tournées de Springsteen, la 4e position parmi les artistes et concerts au total pour la décennie 2000. Le saxophoniste et membre fondateur du E Street Band, Clarence Clemons, est malheureusement décédé le 18 juin 2011 d'un AVC. Le 17e album de studio de Bruce Springsteen, appelé Wrecking Ball,
Et non, faut pas se confondre avec la chanson de Miley Cyrus qui s'appelle Wrecking Ball aussi. Elle est sortie le 6 mars 2012. L'album contient 11 titres plus 2 titres bonus. 3 chansons auparavant uniquement disponibles en version live. Wrecking Ball, Land of Hope and Dreams et American Land sont sur Wrecking Balls. Cet album est devenu le 10e album numéro 1 de Springsteen aux États-Unis. Le lien à le King Elvis Presley pour le 3e album numéro 1 de tous les temps. Il n'y a que les Beatles avec 19, ben ça va être 19, et Jay-Z avec 12 qui ont le plus d'albums. D'ailleurs, en parlant d'Elvis, chers auditeurs, on vous invite à aller voir nos émissions qu'on a fait avec Danny Drouin, qui est un collectionneur hors pair de Elvis Presley. On a aussi eu l'opportunité de pouvoir voir sa collection. Puis on a fait aussi une émission spéciale sur Elvis. Donc, on vous invite à aller voir ça en grand nombre sur notre page YouTube. Tu peux continuer, mon Ben. Suite à la sortie de cet album, Springsteen et le Heat Street Band ont annoncé leur plan pour la tournée Wrecking Ball qui a commencé 18 mars 2012 pour se finir 21 septembre 2013. Petit fait marquant, le 31 juillet 2012 à Helsinki en Finlande, Springsteen a donné son plus long concert de tous les temps, 4 heures 6 minutes. 33 chansons, c'est quasiment des records Guinness. Springsteen a dû nouveau supporter Barack Obama pour sa réélection dans l'Ohio, l'Iowa, la Virginie, la ville de Pittsburgh et le Wisconsin. Lors des rassemblements, il a peu parlé aux gens et a interprété un mini-concert acoustique qui comprenait une chanson nouvelle écrite intitulée Forward. À la fin de l'année, le Wrecking Ball Tour a été nommé au Top Draw, c'est-à-dire tournée ayant obtenu la meilleure assistance de toutes les tournées par les Billboard Touring Awards. La tournée a terminé aux deuxième position, juste derrière Roger Waters, qui a eu la tournée la plus rentable de 2012. C'est parce qu'il était vraiment dur à côté. C'est sûr. Springsteen a terminé deuxième derrière Madonna en tant que chanteur ayant fait le plus d'argent en 2012 avec 33,44 millions de dollars. L'album Wrecking Ball avec le single We Take Care of Our Own a été nominé pour 3 Grammy Awards, dont meilleure performance rock et meilleure chanson rock pour We Take Care of Our Own et meilleur album rock. Rolling Stone a nommé Wrecking Ball l'album numéro 1 de 2012 sur leur site des 50 meilleurs albums de cette même année, mesdames et messieurs. Fin juillet 2013, le documentaire ayant comme titre Springsteen and I, réalisé par Billy Walsh et produit par Ridley Scott, sort simultanément via un cinéma mondial diffusé dans une cinquantaine de pays et dans plus de 2000 salles de cinéma, mesdames et messieurs. Ouais, mon imitateur. Springsteen a sorti son 18e album studio, High Hopes, 14 janvier 2014. Le premier single et la première vidéo étaient une version nouvellement enregistrée de la chanson High Hopes que Springsteen avait déjà enregistrée 19 ans plus tôt. L'album était le premier de Springsteen dans lequel toutes les chansons se sont... Il y a eu des reprises, des extraits remasterisés d'enregistrements précédents et des versions nouvellement enregistrées de chansons précédentes précédemment publiées. Je te finis par le dire. Ouais, pas trop. Programmation des tournées de East Street Band de 2014 ainsi que les membres décédés du East Street Band, Clarence Clemons et Danny Federici, ont figuré sur l'album High Hopes. Il est devenu le 11e album numéro 1 des États-Unis. Le 6 août 2015, Springsteen a interprété les chansons Land of Hope and Dreams and Born to the Run dans le dernier épisode de Daily Show avec Jon Stewart en tant que dernier moment of zen de Stewart. 16 octobre, pour célébrer le 35e anniversaire de The River, Springsteen a annoncé le coffret de Thighs That Bind, The River Collection. Sorti le 4 décembre, ce coffret contient 4 CD, dont de nombreuses chansons inédites, et 3 DVD Blu-ray, ainsi qu'un livre de 148 pages. Ah, oui, mais si, c'est intense. Tu ne veux pas t'emmerder. Non, Springsteen a fait sa première apparition de Saturday Night Live en 13 ans, le 19 décembre 2015, interprétant Meet Me in the City, The Tides That Blind, and Santa Claus is Coming to Town. Le River Tour 2016 a fait son début en janvier 2016 en soutien au coffret de Tides That Bind, The River Collection, tous les spectacles de premières étapes en Amérique du Nord comprenaient une performance en séquence de l'album The River en entier ainsi que d'autres chansons du catalogue de Springsteen. D'autres dates ont finalement été annoncées, faisant d'une tournée originale de 3 mois transformée en une tournée de 7 mois avec des spectacles en Europe en mai 2016 et une autre étape nord-américaine commençant en août 2016 et se terminant au mois de septembre 2016. 23 septembre 2016 sort Chapter and Verse,
qui est un album de compilation de toute la carrière du chanteur qui remonte à 66. Le 7 septembre 2016, au Citizens Bank Park de Philadelphie, Pennsylvania Springsteen a fait un show de 4 heures et 4 minutes. Ce spectacle faisant partie de la tournée de River 2016 et son plus long spectacle aux États-Unis. Comme on peut remarquer, là, il faisait comme tout le temps les mêmes places, hein? Philadelphie, Chicago, New York. Ouais, il voulait rester dans son petit coin de pays, mais quand même. La tournée River 2016 était la tournée mondiale la plus payante de 2016. Elle a rapporté 268,3 millions de dollars dans le monde et a été la tournée la plus rentable depuis 2014. C'est malade, ça. Springsteen a soutenu la campagne présidentielle de Hillary Clinton, qui était contre Donald Trump, en interprétant une série acoustique de Thunder Road, Long Walk Home et Dancing in the Dark lors d'un rassemblement à Philadelphie le 7 novembre 2016. 22 novembre 2016, Springsteen a été présenté avec la médaille présidentielle de la liberté qui lui a été remise par Barack Obama, mesdames et messieurs. Le 12 janvier 2017, Springsteen et Patricia Alfa ont interprété un concert acoustique spécial de 15 chansons en hommage au président Barack Obama et son épouse Michelle Obama dans la East Run de la Maison-Blanche, deux jours avant que le président ne prononce son discours d'adieu à la nation. Springsteen on Broadway, une représentation de spectacle en 8 semaines au Walker Theater à Broadway à New York à l'automne 2017 a été annoncé en juin 2017. Le spectacle comprenant des passages de Springsteen dans son autobiographie en 2016, Born to the Run, et des représentations souvenirs au départ programmées pour faire des concerts de 12 octobre au 26 novembre. Le spectacle a été prolongé à 3 reprises. La dernière représentation a eu lieu le 15 décembre 2018. À la fin de l'année, plus précisément le 14 décembre 2018, l'album live de Springsteen, On Broadway, est sorti. L'album a atteint le top 10 dans plus de 10 pays, c'est quand même bien. Oui, vraiment. Le 14 juin 2019, il sort son 19e album intitulé Western Stars. Il a été annoncé le 23 juillet 2019 que Bruce Springsteen présenterait son film Western Stars au Festival du film de Toronto au mois de septembre 2019. Le film a présenté les performances de l'artiste et son groupe d'accompagnement interprétant la musique de Western Stars devant un public en direct, un show live dans le fond. Le film est sorti en salle le 25 octobre 2019 et la bande originale de ce même film est également sortie cette journée-là. Le 29 mai 2020, Bruce Springsteen a fait une apparition en distance lors d'un concert live sans public des Dropkick Murphy au Fenway Park de Boston. L'événement a marqué la première performance musicale sans public en personne dans une grande arène, stade et stade américain pendant la pandémie de la COVID-19. Le 23 octobre 2020, Springsteen a sorti son 20e album studio avec le E Street Band, Letter to You. La chanson au titre est sortie comme premier single et vidéoclip de l'album le même jour. Le deuxième single de l'album, Ghost, est sorti un mois plus tôt. Avec l'album, Springsteen a publié un documentaire du même nom le 23 octobre, ce qui veut dire le même jour que l'album. L'album Letter to You contient 12 chansons et d'une durée de 58 minutes et 17 secondes. Il faut préciser et tout que le 11 novembre dernier, ça a sorti son 21e album intitulé Only the Strong Survive. Seuls les forts survivent. Yes, exactement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale sur l'un des rockstars les plus importants américainement parlant, M. Bruce Springsteen. Mon nom était Jonathan Drapeau. Vous écoutiez le Wrestle Rock Podcast. Je suis avec mon ami Benoît Laferrière, a.k.a. Nastrada Ben. Merci beaucoup, mon Ben. Oui, ça fait plaisir. Ah, il y a des affaires que tu n'as pas évident à prononcer. Non, vraiment pas. Exact. Alors, merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt, cher Wrestle Rockstar. L'action ne manquera pas. Au revoir.